À part Andy, qui est pas apte, le reste, tout le monde est sur le pont. Ben, je vous verrai, je sais pas. On espère la semaine prochaine. Ouais. Et une petite lésion au niveau de l'insertion de l'adducteur. Il est apte dans le groupe, comme les autres. Tout le monde peut démarrer. Non, mais il est capable de montrer de belles choses. Voilà. Après, au niveau du, c'est normal. Ça fait au niveau du rythme, avec le collectif, au niveau de la haute intensité, il est un peu plus en difficulté. Mais c'est normal. Ça fait 3 mois qu'il a, pratiquement 3 mois qu'il a pas joué. Mais sa patte, il a retrouvé. Il est capable de d'ici des bons ballons. Il est capable de d'avoir des séquences d'intensité haute. Après, sur la durée d'un match entier, aujourd'hui, il n'est pas prêt. Non, je pense que non, c'est malheureux. C'est sur un appui, avant qu'il marque, sur l'appui d'avant, il a senti la douleur. Mais non, ça peut arriver à tout moment, ça peut arriver à l'entraînement, ça peut arriver. Je pense pas que ce soit le fait qu'il ait eu peu de vacances. C'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça. Ah, mais ça, je fais passer à mes joueurs. Ils le savent, ce que j'attends d'eux. Je vais pas vous le dire. Je vais pas dire à la presse. Et mes joueurs, ils savent ce que j'attends d'eux. Et j'espère que samedi, on va montrer un autre visage à l'extérieur. Parce qu'on va rencontrer une équipe très très forte. Qui est bonne dans tous les domaines. Voilà, qui défend très très bien collectivement, voilà, c'est la meilleure défense du championnat, ils sont capables de bien combiner en sortant le ballon de derrière, et ils vont très vite en contre aussi, quand ils défendent bas, voilà, ils ont une grande palette, et puis sur les coups de pied arrêtés, ils ont des joueurs de taille et des bons joueurs de tête. C'est un match difficile, mais sûr qu'on va y aller avec la volonté, comme d'habitude, de remporter le match. Parce qu'on n'a pas su faire cette année à l'extérieur. Non, c'est pas un casse-tête. C'est une palette supplémentaire pour l'effectif. Voilà, c'est tout. Après, TJ, ça va pas être le sauveur. Hein, et on a d'autres joueurs qui sont capables de donner des bons ballons, de faire des bonnes passes, mais. Et c'est sûr que de l'avoir avec nous, c'est ce qu'on attendait depuis le début de saison, c'est de le retrouver. Et il nous apporte sa qualité technique, sa grinta aussi, parce qu'il aime bien récupérer les ballons, il aime bien défendre aussi. C'est pas qu'un joueur d'attaque. Moi, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je le répète tout le temps, dans l'agressivité qu'on doit avoir. Et puis techniquement, il faut qu'on ait beaucoup plus de justesse dans ce qu'on fait. C'est la composante de beaucoup de choses. Hein. La technique, c'est pas. C'est l'engagement des appels, c'est la justesse dans les passes, c'est dans les contrôles, la volonté d'être capable d'éliminer comme on est capable d'éliminer à la maison. Voilà. Dans tous les domaines, il faut qu'on élève notre niveau à l'extérieur pour gagner un match.